Willems. Fonction Press Officer Fiat en Belgique. 4500, pouvez-vous nous la présenter un petit peu? Oui, tout à fait. Alors la Fiat 500 est tout à fait, c'est une icône hein, de l'automobile. C'est la 500 qu'on connaît de 1957 qui a été complètement réactualisée en 2007. Donc c'est un modèle à succès. Ça fait maintenant presque 10 ans que la voiture est sur le marché. C'est un succès fou. Elle reprend tout à fait les lignes de la Fiat 500 de l'époque. Et on essaye toujours pour la Fiat 500 d'avoir des partenariats avec des marques mythiques. On a fait il y a quelques années un partenariat avec la marque de mode Gucci et on a présenté la Fiat 500 Gucci. Ben ici, l'année passée, on a fait un partenariat avec la marque mythique Riva, marque de bateau de luxe, très connu italien. Et en collaboration avec eux, on présente cette série spéciale Fiat 500 Riva. Et ça se marie bien, hein? Ça se marie très bien parce qu'en effet, Riva, la marque Riva est très difficile. Nous aussi, mais Riva est très difficile au niveau couleur, au niveau habillage et tout. Quand on leur a fait proposer le projet, ils étaient d'accord et on est venu avec une voiture qui colle très très bien avec les deux images des deux marques italiennes. Et puis c'est une citadine, hein? C'est une citadine, c'est une voiture qui, on la voit partout en ville, Paris, Bruxelles, on voit que des Fiat 500, Monaco, on voit que des Fiat 500. Et bien sûr, quand on a un équipement un peu haut de gamme et très spécial même comme Riva, ben, ça a son succès. Le design? Le design, je n'ai qu'un mot, mythique, le design de la 500. Reste très 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 fidèle à l'image de la Fiat 500 de l'époque. On la modernise, on trouve toujours des moyens à la réactualiser, à la réinventer. Ben, c'est une voiture qui est au goût des jours et au goût des tendances. L'intérieur aussi est très design. L'intérieur est très Riva pour celle-ci, ça veut dire qu'elle a des intérieurs en cuir Riva, il y a le sigle Riva, il y a le bois, je peux vous montrer. Donc l'intérieur, volant, bois. Le volant, du bois, le tableau de bord, du bois. Il y a le cuir, comme utilisé dans les bateaux, avec l'inscription Riva. Il y a au côté carrosserie, on reprend la peinture de la Riva, le bleu foncé, très typique, avec les lignes. Les jantes de la voiture sont typiques, sont spécifiques pour la Riva. En fait, c'est un bijou. C'est un bijou, c'est un mariage parfait entre deux marques italiennes de grande renommée de luxe. Et puis elle plaît aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein, et puis aux jeunes générations. Ben écoutez, tout d'abord la voiture plaît un peu à tout le monde, parce que qui dit Fiat 500, c'est une voiture qui couvre plein de générations, des gens jeunes jusqu'à des gens un peu plus âgés. Ceci dit, une Riva, c'est classe, donc il y a bien que les gens qui ont connu la grande époque de la cinéma française dans les années 60, jusqu'à des gens qui découvrent la Riva, qui ne savaient pas ce que c'était Riva, ben ils découvrent une voiture très haut de gamme, dans un segment de voiture compacte, et là on a une position unique. Il n'y a aucune autre marque qui offre une voiture à cette luxe dans ce segment. Ouvrir le. On a tout, on a en fait une voiture premium avec des dimensions compactes. Le moteur? Et des petits moteurs qui consomment pas grand chose, mais qui sont quand même à la fois très confortables à utiliser et qui consomment pas beaucoup. On a des moteurs, on a un moteur 1,2 litre essence, on a un moteur diesel 1,3 diesel 95 chevaux qui est très facile à conduire, qui est très agréable à conduire. On a un twinner, toute nouvelle technologie de 105 chevaux qui est en plus puissant. Nous, on a vraiment tout pour plaire dans ce segment. Merci à vous. Avec grand plaisir.